mais on vous voit pas beaucoup. Attendez, je vais faire en sorte qu'on vous voit plus. Voilà, on vous voit plus. Coucou la VOD. On va tester Little Kitty. Je vais faire ici une petite voix. Little Kitty Big City. C'est ma vraie voix. Bonjour la VOD. Bonjour, merci Zpipou, merci beaucoup. On va tester Little Kitty Big City. J'y ai pas encore joué, il est sorti il y a un petit moment, il est sur le Game Pass. Si vous intéresse. Il y a Rusty, je vous préviens, il y a Rusty qui est en arrière-plan. Là pour le moment ça fonctionne, mais voilà, je l'enlèverai s'il y a besoin de l'enlever. Et je relancerai tout à l'heure. Et voilà. Et j'espère que vous allez bien, et merci beaucoup. Et du coup le chat il dit bonjour à VOD, vous êtes trop mignons. Oh les modes de chat. Oh j'aime trop. On a eu un débat sur des pseudos juste avant. Pardon. Attention, je vais cacher le chat. Attends, c'est quoi ce clip? C'est toi alors que c'est toi, mais alors c'est pas toi. Oh, je m'en rappelle pas. On n'est plus là. Mais ouais, vous voulez rester? Je vous laisse moi, ça me dérange pas. Je vous laisse pour le moment. Et si à un moment vous me saoulez, je vous cache. Je regarderai le clip tout à l'heure. Là, on vient de lancer une VOD, là. Ah, c'est toujours assez fort, hein, les bruitages. Bref, on joue un petit chat et on peut avoir des chapeaux. Ce qui était, pour certaines personnes, l'argument de poids. Et j'avoue que, ouais, je comprends. Ça m'a donné aussi envie de jouer au jeu. Nouvelle partie. Voulez-vous vraiment commencer une nouvelle partie? Oh, il me demande, attention. Juste pour apparaître sur la VOD. Ça y est. Bravo. Ça va, c'est pas trop fort? Ça va. Oh, ça a l'air mignon. En vrai, ça a l'air mignon. J'ai vu juste un tout petit peu le trailer. En plus, mon chat à moi, il était noir. Il va tomber. J'étais beaucoup trop investie d'un coup. C'est un carton le truc. Oh le bébé. Je vous laisse profiter du carton. Et sur ce, que mes Tricky arrivent. Merci beaucoup pour la bocade d'or mes Tricky. Merci. Merci beaucoup. Pauvre bébé, t'inquiète, il va bien. Sinon, il y aurait pas de jeu. Vous venez bien du cartoon? Ben oui. J'avoue qu'avec ton intervention, c'était encore mieux, pour être honnête. Ah, rentrer à la maison. Attendez, je gêne un peu les objectifs. Je vais me foutre un tout petit peu plus haute. Et un peu décalé, parce que voilà. Là, je pense que je gêne pas et qu'on me voit bien et que ça passe. Merci beaucoup, monsieur Trucu. Merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup ce que tu... Merci. Oh, je peux mettre des coups de patte. Mais il a une petite cicatrice sur le cucu. Ou un trésor. Ok, bon on peut déjà faire le chat de base à taper des trucs au hasard. Les chats noirs ça a toujours les yeux verts je crois. Et c'est rare les chats noirs noirs, en général ils ont des petites taches blanches. Notre chat avait une petite tache blanche là. Et une petite au niveau du bassin. Oh le chat, bah oui c'est de l'eau. Ouais non mais c'est bon un chat ça marche dans l'eau un peu. Ah oui non 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 vraiment pas. Ok, d'accord. Un peu drama queen quand même. Mais bon, pas grave. T'es un chat quoi. Oula. Mais comment j'escalade? Attendez. J'essaye de courir mais toutes les gâchettes c'est pour mettre des coups de patte. Je comprends pas. En vrai un chat, il monte en une fois ça, sans problème. Oh on peut... Oh. Par contre... Il a un petit peu, avec les oreilles comme ça, une tête de cochon. Enfin, c'est peut-être moi qui suis un peu folle. Vert ou jaune? Ah ouais? Des yeux noirs avec des yeux... des chats noirs avec des yeux jaunes? Ah, j'en ai pas trop vu, je crois. Ah bah quand même! Ok, pour donner un coup de patte. Désencombrement. Ah.
contre, je crois que les musiques... Enfin, j'ai baissé un peu trop les bruitages, mais c'est parce que les bruitages dans le menu étaient très forts. Ah, donc le but, c'est de foutre le bordel. Ça me plaît beaucoup, ça, déjà, comme principe. Mais ouais, mais c'est très souvent en vrai que les chats noirs sont comme ça. Ok, bon c'est A pour sauter et pour courir c'est quoi? J'ai déjà oublié. C'est cette gâchette, c'est la petite gâchette droite, ok. Oh il fait des petits dérapages. Ah je me suis cognée. Merde, j'ai cogné mon chat. Et est-ce que j'ai un objectif dans ce jeu? Oh, il y a Maître Corbeau qui veut me parler. Ok, c'est ça. Ramasser. Ah bon? Ah non, X. Oui, je peux ramasser des trucs et les foutre ailleurs. Très bien. Non, mais là, tu peux par contre faire un petit effort. Ah non, il peut pas. Mais mince! Comment je suis montée tout à l'heure? Je me cogne à chaque fois. Mais oui, mais fais un effort aussi. Va au niveau de la porte. Enfin. Même ça. Merde. Je vais éviter de courir. Ah oui, non, c'est là que je dois aller. Ok, je vais là. Ça dégage. Les sauts sont pas dingues, mais bon. Ça va, la petite boule de poil volante? Moi que tu parles. Y'a pas d'autre chat qui attaque les corbeaux innocents en plein vol. Ah mais oui, c'est parce que quand on a chuté, eh ben on a moitié atterri sur un corbeau et on s'est agrippé à lui puis on est retombé. Recyclez vos chats. Mais êtes fous. C'est moi qui suis un peu folle aussi peu. Je te demande pardon, je t'assure que c'est un accident. Oh, un accident. On dirait que quelqu'un a besoin d'une leçon de vol. Mais je sais pas vraiment voler en fait, hein. C'est pas en étant aussi défaitiste que tu y arriveras. Déploie tes ailes et suis-moi. Quoi? Et pourquoi? J'ai failli te tuer quand même. Enfin, c'est bizarre comme principe. Il est passé où le corbeau? Attends, appuyez sur ici pour voir, d'accord? Bah, c'est le menu. Ah oui, sauvegarde. Là, on a des chapeaux. Là, c'est mission. Retrouver le corbeau. Oui. Bah, il est où? Oh! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, les... C'est ça, les propriétaires. Frottez votre nez. Ah, je peux frotter mon nez? Ah ouais! Moi j'ai pas un chat depuis longtemps, mais mmh. Ça a pas changé alors. Oh! Mais c'est trop stylé par contre! Mmh. Attendez, je vais mettre un peu de rouge. J'aurais bien aimé mélanger les couleurs. Ah. T'as vu un peu l'artiste là? La merde, mais je fais des câlins. Mais oui, c'est presque à des encombrements. Ok, on a plein de succès à choper. C'est presque le principe d'un chat, non? C'est de l'art brut, mec. Ok. Bon, j'avais un corbeau à trouver, mais je sais pas dans quelle direction il allait, moi. Est-ce que je peux aller là-dessus? Non. Oh, y a un ballon! Ouais, bon, j'ai rien à en faire. Ramper. Non, mais je retourne dans le... C'est bloqué, d'accord. Je retourne dans le jardin de l'eau, je crois. Alors que ça ne nous intéresse pas des masses. Il y
De l'art brutal même. Je suis un peu un chat hardcore. D'accord. Bon, j'imagine qu'il faut que je trouve un moyen d'aller sur les murets. Ouh, là-dedans. Mais attends. Ça, c'est quoi ça? Ramasser? Non. Mais j'en fous. Ah! Non, mais ça va, c'est une flaque d'eau, enfin! Oh là là! Bon, je peux aller. Oh, il y en a un! Let's go. C'est la même concentration qu'un chat. Un chat, c'est hyper concentré. J'ai mis dans l'eau. Et là c'est bloqué. Oh, il y a quelqu'un! Enfin, il y a un chat! Il y a quelqu'un. Du coup, je vais pas pouvoir, normalement. Ouais, je peux pas. Oui, j'avais remarqué. Tchac, laisse-moi faire des trucs! Ah, les touches, j'arrive pas du tout à bien retrouver. Oh, un chat! Un chien! Mais non, sourdine. Ah, mais c'est le corbeau! Oh, le chaton! Il est tout trauma! Hop là. Voilà. Je cache. C'est sa capuce, croit avoir tous les droits, par ici. Ah, mais du temps, t'as oublié de battre avec tes ailes. Mais tu vois bien que j'en ai pas, enfin. Mais c'est con, un corbeau. En vrai, c'est hyper intelligent, un corbeau. Comment tu fais pour voler? Je dépasse, tombé. J'ai glissé de la fenêtre où je faisais une sieste et j'ai atterri tout en bas. Mais t'es pas volé, comment tu vas faire pour monter là-haut? Toi, tu sais voler. Tu vas aller dans le beau drap, laisse-moi réfléchir. Ouais, d'accord. Il est super concerné, hein. Tu essaies de me... Cette méthode utilisée par les créatures sans ailes pour prendre de la hauteur avec des griffes en soufflant très fort. Grimper, tu veux dire? Ce que j'ai dit. Je pense pas avoir assez d'énergie pour grimper. J'avais déjà faim avant de dormir. L'aimable corbeau du coin détient un délicieux poisson bien juteux. Ce qui nous amène à un domaine bien connu des corbeaux, l'offre et la demande. Hein? Je peux t'offrir un délicieux poisson pour faire le plein d'énergie en échange de 25 trucs qui brillent. Ok. C'est quoi les qui brillent? J'aime pas ce que sont les qui brillent. Mais ce sont des bidules scintillants qui donnent. Qu'on trouve un peu partout. Dans les buissons, les rebords de fenêtres et tout ça. Ouais, ça marche, c'est encore beaucoup. 25 poinçons contre 25 qui brillent. Ah oui, j'aime bien. Bon, d'accord. Ok, il me donne un poisson si je lui apporte des trucs qui brillent. Ah, c'est un jeu où on va récolter, quoi. Bon, c'est à voir. En tout cas, c'est super mignon. Par contre, est-ce qu'il y a des trucs un peu plus intéressants à faire que juste suivre les indications du corbeau? On va voir ça. Mais quand je reste appuyé, il saute bien en fait. Mais le piaf lui-même, il vole, c'est pas beaucoup plus... Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un gacha? J'ai eu mon premier chapeau! Un chapeau à tout, ouais, c'est ça. Je vais mettre une musique adéquate, mais j'en ai pas, alors je vais mettre celle-là. Thank you.
Mince, j'ai trop baissé. La ferme. Je m'entends pas dans mes sons. Ah voilà. Je voulais mettre une petite musique plus adéquate, genre... je sais pas, un truc un peu classe, mais j'avais que ça. Bon, allez, on court et on fait des trucs. Ça, ça brille, on voit une canette, hein. Ah ! J'ai couru dans le mur et du coup, je me suis pris un mur. C'est logique, mais ça me plaît pas. On peut escalader normalement les endroits comme ça. Je connais les jeux vidéo, moi. Ou alors ça. Oh ! Je vais troll. Ah ! Faut que j'arrête de crier. Moi, je suis plus de type corbeau que de chat, je pense. Oh, notre chat ! Waouh, il est trop beau ! Oh, tu as une banane ? Tiens, je te dépose une banane. Tu as une banane ? Tiens, je te dépose une banane ? Oh ! Je te dépose une banane ? Mriaou. Ah, on est très proche. Oh, wow, les yeux jaunes. Les chats, ça parle de très près. Je suis le maire. Si le maire peut pas t'aider, personne ne peut t'aider. Heureusement que tes routes se sont croisées là. As-tu, monsieur le maire? Oh putain, mais il miaule tellement! En plus, il lui miaule vraiment dans l'œil! T'es rentré chez moi et c'est besoin de petits bris, et il y a toutes tes poubelles et. Une chose à la fois, camarade à poil. Tout ça m'a l'air d'être un travail. Les chats ne font pas. Ne sont pas pour le travail. Ça sont pour l'espièglerie. Rie. La sieste. Nous sommes doux, paresseux, parfois fantasques, parfois brutaux. Ton enthousiasme me fatigue. Le maire ne peut aider personne quand il est fatigué. Tu dois aider le maire à finir sa sieste. C'est la moindre des choses. Première responsabilité en tant qu'aide sera de me débarrasser de ces horribles pots. De quoi? De confiture. Je veux plus voir ces horreurs. N'aime pas la confiture? C'est un symbole. Un signe que les humains ne craignent plus les chats. What the fuck? Ah, mais il parle comme ça, le chat. Il vomit? Ah oui, c'est parce qu'il est dégoûté. Ouais, la destruction. Ok, je comprends. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Faut que je nique des pots. Genre celui-là. Par contre, j'ai un peu encore du mal avec tes touches, mais ça va le faire, ça va le faire. Et du coup, jamais. Mais c'est vraiment comme dans Untilted Goose Game, jamais tu te fais engueuler. Quoique si dans Untilted, tu peux te faire engueuler et te poursuivre par les humains. Ah, j'ai rien dit! Je me fais un peu poursuivre, je crois. Mais je m'en fous. Trop hardcore. Non! Ah, elle me saisit! Oh, elle est dégoûtée! La musique est pas ouf pour le moment, en tout cas. Elle est très, bon, elle est très, très basique, après. C'est un peu dommage. Oui! Ah, elle m'a saisi! Je démonte! Ah merde, elle m'a foutu dans l'eau! Le maire peut maintenant s'endormir. Le maire va t'offrir ton aide précieuse, son aide précieuse. Je vais t'enseigner l'art de détruire les pots de confiture. Bah, je le sais déjà. Tu peux exprimer ton dégoût. Et pourquoi faire? Utile de me remercier. D'accord. La mère a besoin de repos. Ok, je peux faire une émote. La mère, la musique, c'est smooth. Oui, oui, c'est smooth, mais c'est pas très varié, quoi. Et quand on a un autre chat? C'est quoi? C'est un raton laveur?
je peux pas aider pour le moment. Hmm. Ah, peut-être que si, en fait. Alors, loser! Oh, punaise! J'ai vu la petite manette! C'est la même que j'ai derrière moi? Ou de NES, je sais plus. Voilà, ça pour ça. Punaise, je veux courir! Qu'est-ce que c'est? Punaise, j'ai Tom Nook! Oh, j'ai voulu lui mettre un coup de patte. Un tout petit peu. Mais est-ce qu'à sortir de là? Oh, le gros derche de Nook. J'ai aucun mal à rentrer, mais pas facile de ressortir. Un coup de patte? Je vais mettre qui m'aide maintenant. Je vais mettre un coup de patte. Ah, faut que je lui tire la queue. Oh mais la dégaine par contre. Il est immense. Mais il est trop beau. Je cherchais des plumes pour ma nouvelle invention. Ah, ça va être que ça. J'ai supposé qu'il s'agissait du rarissime médaillon commémoratif collecteur inversé de Geku. Donc je suis rentrée, ok. Pourquoi tu aurais supposé une chose pareille? Parce que je suis très bizarre. Et ça a marché? Bah non. T'imagines si ça avait fonctionné? Je vais peut-être faire les doublages, mais j'hésite. C'est sur une torche, hein. Bah ça va, ça va. Ça fait des bêtises avec un chat. C'est très mignon. Mais pour le moment, c'est pas très varié. J'ai l'impression que ça va être surtout récolter des trucs et les donner à des bestioles. J'ai l'impression que Geku... Attends. Un médaillon qui donne l'impression que Geku est un étrange monstre aquatique radioactif plutôt qu'un gros Geku radioactif. Il me donne un qui brille. Moitié sorcière, moitié inventrice, moitié scientifique. Tu as trois moitiés. L'une d'elles est dans une dimension magique. Ok. Allez, il faut récupérer des plumes maintenant. Bon, je suis pas sûre que je ferai un let's play. Hein. Ah, moi, les jeux où il faut récolter, c'est pas mon délire. Mais ça reste adorable. Voilà, c'est ça l'important. Les blablas sont chiants en vrai. Ouais, bah c'est. En fait, vu que c'est des personnages random, ils sont un peu mignons et tout, mais ça fait trop gamin, enfantin en fait. On n'a pas. Je sais pas. Non, mais sucre d'orge, vraiment. Et qui a la rêve de Raccoon City? Un petit indice, il y a des zombies. Walking Dead, évidemment. Bah, je sais pas ce que c'est le but du jeu. En vrai, notre objectif, c'est de retourner dans l'appart d'où on était. On était sur le bord de la fenêtre et on est tombé. Et du coup, l'oiseau. Attends. À un moment, je pouvais marcher doucement. Ah, voilà. Oh, je me fais totalement repérer, ça sert à rien du tout. Ah, ils ont fait caca. Les oiseaux, ça peut pas se retenir. Voilà.
Sachez-le. Sachez-le maintenant. Rentrer à la maison. Oui, oui, c'est ça. L'objectif, c'est de rentrer à la maison. Enfin. Mais il y a plein de petits objectifs secondaires où pour avoir l'aide d'une bestiole, je dois lui ramener ça. Et pour avoir l'aide d'une autre bestiole, je dois lui ramener ça. Et bon. Pas les objectifs les plus passionnants en général. Juste trouver des trucs sur toute la map à récolter. Surtout que je trouve qu'on saute pas très haut pour un chat. On saute longtemps, mais pas haut. Non mais... un secret d'arche quoi. J'ai fait au moins 5 rushs de Resident Evil, Resident Evil sur ma chaîne, punaise. Please quoi. Oh là là. Ah. C'est juste que c'est une ref, c'est comme dire... c'est quoi la ref? Je suis ton père. Quel ref ça peut bien être, dis donc. C'est exactement le même type de ref. Rentrer. Je vais rêver. Ramper, voilà. C'est un chapeau. Le but, c'est aussi de collectionner des chapeaux. Donc j'ai chopé un chapeau. Oh le bébé. Tu vois, ça fait 3 fois hein, qu'on fait les mêmes vannes dans le chat. On est tous trop connectés. Oh, ce soir, c'est la soirée où on est trop connectés et on fait tous les mêmes vannes. On passe trop de temps ensemble. Oh, qui c'est lui? Salut. Bonjour. C'est à moi que tu parles. Bien sûr. Tu peux me voir? Oui. Surprenant. C'est la première fois que quelqu'un parvient à percer mon camouflage hors classe. Mon pouvoir serait en train de disparaître. Vous savez qu'en vrai, les caméléons, ils changent de couleur en fonction de leur humeur et pas du tout en fonction de l'environnement. Voilà. C'est les poulpes qui font ça, parce que les poulpes, c'est les meilleurs. Caméléon, c'est les imposteurs. Et un magicien ? En effet. Tu peux me voir, tu parviens peut-être aussi à voir mon chapeau de magicien. Il permet d'avertir les autres magiciens que je patrouille dans cette zone. Ils peuvent te voir aussi ? Absolument pas. Personne ne peut me voir. C'est pour ça que je suis surpris que tu m'aies remarqué. Si doué pour me camoufler que je peux même faire disparaître les mots. Regarde un peu ça. T'as vu ça? Non, car mes mots étaient parfaitement camouflés. C'est impressionnant. Merci. T'as appris des années d'entraînement. T'es un maître du camouflage. Bon, allez. Ça tourne un peu en rond. Les yeux sont bizarres. Qu'est-ce que tu as vu? Ah. T'as une tête bizarre. Ok, il ressort. Je vais réfléchir à mes yeux. Est-ce que tu peux les remplacer dans la direction... Les déplacer dans la direction opposée? Je ne crois pas. Il dit que j'ai des yeux bizarres. Ok. Non mais vraiment ! Putain, ça tourne tellement rond. Please quoi. Oh là là. C'est mignon hein, c'est mignon, c'est mignon. C'est un jeu pour les enfants. Bah justement. Un jeu pour les enfants, tu mets pas l'équivalent de 72 lignes de dialogue par PNJ. Remarque, j'ai joué à Animal Crossing, mais c'est quand même moins. Puis quand les gamins, ça sait bien lire. Tu sais plus t'amuser. T'as les gris. C'est trop chiant. Moi, je veux du fun. Je suis aussi patiente qu'une enfant. Et ben, je vous promets que la gamine, elle est bien saoulée déjà. J'ai arrivé à courir un moment. Non mais voilà, écoutez. Non, on reste positif. Vous avez raison. Vous avez raison.
Le jeu est mignon et détendant. Soyons dans l'ambiance. Par où je sors? Ah ouf, je me suis cogné encore. Heureusement que j'ai un super chapeau. On dirait deux gars bourrés. C'est pas faux. C'est pas faux. T'as des yeux bizarres. Bah ouais, et toi t'es un magicien? Ouais. Passionnant. Tiens, j'essaie de choper des oiseaux. Je pars ici. Détendant. Bah ouais, t'as trop... ça marche comme terme. Hein. Si malaison ça existe, détendant ça peut exister aussi. Hein. Ils allaient me dire oui, mais il y a relaxant qui existe. Et alors? Gênant ça existe et ça existe. Et malaisant existe maintenant aussi. Alors moi, j'ai créé détendant. Et puis c'est tout. Par contre, c'est chiant qu'à chaque fois le. Ah, il y a un autre chat là! Qu'à chaque fois qu'il s'accroche, il part vraiment dans la direction opposée. Oh, il est trop beau! Tu connais pas toi, tu viens voir les oiseaux? C'est la première fois que je les vois d'aussi près. Pardon, je fais cette voix. Ils sont vite, quand on sait pas. T'as un chat d'intérieur, ça explique tout. Est-ce que je peux m'approcher encore plus? Bien sûr, tu peux même les attraper. Tu pourrais pas venir, tu dois. Mais ouais, mais je l'ai fait, mais ça a pas marché. Ensuite, tu bondis! La technique du pain. On voit du pain. Utiliser du pain pour attirer les oiseaux. 3, tu bondis. Ouais, voilà. Le pain vient des humains, pas des chats. Les poches en ormalette dans leurs mains. Ok. Attaquer les pieds quand les gens marchent. Ah, d'accord. Oh, je vais tester. Ça me plaît bien, ça. Ok. Bah alors? Ah. J'ai eu ton téléphone, bro. Ah. Hey. T'es foutu dans l'eau juste pour faire chier. Ce chat des enfers. Ah, c'est vrai qu'on a sûrement 9 vies, mais pour le moment on n'en a pas perdu. En vrai, le chat il est tombé très très haut, ça aurait pu. Mais non, c'est mon bro. Ah non, c'est pas mon bro. D'accord, d'accord, d'accord. Ils ont que des téléphones. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Kato, comment ça va Kato? Donc il veut juste tout détruire, effectivement. Comme dans la plupart des jeux finalement. Moi je change pas de registre. Rentrer ici, il y a des trucs qui brillent. Non. Pas tout de suite, pas comme ça. On peut aller là, on peut aller là. Mais là, on peut pas. Bon. Peut-être qu'il y a une technique. Cet après-midi, il fait bien chaud dehors. Mais oui, c'est vrai que tu le ressors quand... bah oui, comme moi à l'époque où j'ai Pokémon Go. Tu le ressors quand il fait beau. Et ça va, c'était cool. Petite balade et tout. Justement, c'est pour chasser les oiseaux qu'il me faut du pain.
Il n'y a pas de pigeons, il y a que des petits oiseaux bleus. Là-haut, j'ai un autre chapeau que je peux choper. Faudrait que j'essaie d'aller sur le pont, peut-être. Je sais pas. Ah, je peux pas sauter. Ah oui, il voulait pas du tout. D'accord. En vrai, ici, il peut. Ah non, peut-être pas. Ah oui, non, vraiment pas. Ah d'accord. Il est complètement repoussé. Bon, d'accord. Oh, ici, il y avait rien. À part des murs sur lesquels me cogner. La démo du jeu? Non, non, je la connais. Je sais même pas s'il y avait une démo. Non, non, je l'ai pas fait. J'ai pas du tout testé le jeu. Ah, c'est trop bien, il est pigeon dessus. Mais oui. Un truc qui brille. Ok. Est-ce que je peux aller sur ce rebord là? Ça semble compliqué. Bon. Et là, ici, il y avait quoi? Je vois rien. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'était cet endroit-là. Mince! Je voulais le mettre à recycler. J'ai tout raté. Petit glaneur. Comment ça, petit glaneur? C'est quoi ce succès? J'ai eu le succès. Ouais, merci d'avoir recyclé, c'est trop sympa. J'ai eu le succès chat d'exception, mais pas petit glaneur. Quel rapport? J'ai pas glané. Mais what the fuck? Je trouve ça très désobligeant. Ah, je trouvais des trucs qui brillent. Non, 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 non! Ah! Non mais là je vais réussir à monter, oui voilà. Et là-haut ça brille aussi, je vais y aller. C'est dommage quand il saute, il s'arrête vraiment net. Tu peux pas faire, enfin j'ai l'impression que tu peux pas faire de l'élan et sauter. C'est bizarrement, la physique du chat, c'est bizarrement fait, c'est très mignon mais c'est bizarrement fait. Ok, j'ai raté. Non mais arrête. Arrête. Ah voilà. Bon, j'imagine qu'il faut que je chasse un truc. Faut que je chasse un oiseau. Ouais non mais on me repart complètement en fait. C'est pour ça que ça te fait bizarre. C'est probablement ça, ouais. Bon appétit, Kato. Ah, mais c'est déjà 23h30. Je croyais qu'il était genre 22h, moi. Là-bas, ça a pris. Donc, je peux passer par là. Ah oui, je venais ici, c'est vrai. J'ai pas beaucoup fouillé l'endroit. Je peux monter ici. Non mais vraiment? Bon. Bah je vais essayer de sauter juste là alors. Ah, il est là-haut.
pas pouvoir y aller du tout. Coucou, c'est qui? Non, bah je passe par là. Coucou, mon dobine, comment ça va? Mais oui, je sais, je sais, je sais. J'essaie de faire le tour. Par là, je peux pas rentrer? Non. Ah, puis là-haut, ça brille aussi. Ah, j'ai trouvé ça pour les oiseaux. Je vais attirer les oiseaux. Mais c'est, il s'est à peine touché. Ah mais ici aussi, j'avais oublié. C'est pour attendre, c'est voir s'il y a un oiseau qui vient. Du pain là, mais c'est pas du pain, c'est un beignet. Oh, j'ai bondi, mais ça a rien fait. Allez, à plus tard, Bernard. Mais hein? J'appuie sur la touche, mais j'en prends rien. Attends. Imagine qu'il faudrait s'appuyer alors. Ou alors qu'il fasse un truc autre. Il me dit de bondir, je bondis et ça fait ça? Je comprends rien. Ok. Et du coup, il me donne des plumes. Ok. Bah dis donc. Professionnel. Locke, c'est la meilleure. Ah bah ça on le savait. Merci. Hein. Non mais j'oublie les touches, j'oublie les touches. Pas ma faute, tu sais le jeu il est pas logique. J'essaye d'aller trop vite. Mais je comprends mieux certains trucs en fait. Je peux faire des sauts plus haut, je pense. Je pense. C'est juste que c'était pas... Je comprenais pas trop le principe. Genre par exemple là. D'accord. Bon, pas très haut en fait. Mais je pourrais faire peut-être des sauts un peu mieux. Bon, pas ouf. C'est pas un super pouvoir.
Ça va vous? Là c'est en mode speedrun. Mais non, mais bon, c'est que des trucs à récolter, j'avoue que je trouve pas ça passionnant. Un peu dommage. Coucou Pion. Vas-y bolos les humains, je l'ai fait un peu, genre à piquer des téléphones et je les ai mis dans l'eau. Du caca et une plume. Ok. Raté. Le jeu Verne. Non, ça me dit attends. Verne de Shape of Fantasy, c'est quoi le principe? Je connais pas en tout cas Neptunia. Qui brille là. Il m'en faut 25 quoi. Peut-être qu'après d'ici je peux faire un saut un peu grand et aller de l'autre côté, peut-être. Je crois pas trop mais je vais essayer. Nickel. D'aventure autour de Jules Verne. Je me demande si on ne m'en a pas déjà parlé. Il est pas tout jeune? Il est pas tout récent le jeu? Ou il est récent? S'il est pas tout récent, c'est peut-être un jeu dont on m'a déjà parlé. Mais sans être super sûr. Je suis à la fois au forest et à la fois en ville avec un petit chat. Mais oui! Et sur live de Guile aussi! Ah, je lurquais au début, je pouvais pas parler, je devais me préparer. Bon, essayer de pas être en retard pour une fois. Et bien la pierre qui brille. Bah en fait, quand je vais dessus, ça fait juste une petite animation de dodo. Mais peut-être qu'il y a un truc à faire après. Et là, le Jaivi, ça m'énerve. Et il est trop mignon. Pauvre oiseau. Bah ça va, au moins il leur fait pas, voilà, il leur fait peur. Ah, ça sauvegarde, mais je sais pas, ça fait juste ça. Coucou. Ça fait un peu penser, coucou c'est qui? Ah, dans Stray. Un jeu où on était un chat aussi, où pareil, il y avait des endroits où on pouvait juste faire ça. Peut-être que t'as un succès quand tu les fais tous. J'arrive pas à monter sur le muret. Je saute vraiment pas assez haut pour un chat, je trouve. Quand je vois les sauts que faisait notre chat, ça avait rien à voir, hein. Non! Merde! Qu'est-ce qu'il fait? Tu n'es pas un chat, tu es une pomme. Tu sautes haut pour une pomme. Non, mais punaise. Ah, fasse le tour. Comme trois pommes.
Justement, j'aimerais bien trouver un autre chapeau, mais je le trouve pas. Ok. Ok. Voilà. Ah. Non, mais vraiment, tu fais aucun effort. C'est quoi ces bruitages? Ça correspond pas, je trouve. Non, non, non! Punaise, j'ai vraiment des fils de Assassin's Creed là, quand ton perso s'agrippe n'importe où et qu'après il fait un saut qui n'a rien à voir avec ce que tu veux faire. De t'avancer trop. Non mais vraiment ? Bon, j'ai eu des trucs qui brillent, c'est déjà ça. Même si j'en ai toujours vraiment pas du tout assez. Quoi, toi ? Je me suis dit que je serais peut-être protégée par la canette. Je ne sais pas pourquoi. Non, bon, je peux pas passer. Ok, j'ai compris, ça va. Je suis allée là-bas ? Ah oui, un petit peu, je crois. Ah ! Oui, c'est là où il y a le corbeau. Très bien. Quoi faire ça ? Ah, il y a un truc dedans ! Ok. Non, mais j'ai besoin de le ramasser au man donné. Man donné, quoi ! Voilà. Du coup pareil, là je peux tout déplacer, j'aurai des trucs dedans. Ah non. Je fais tomber des gens, bah ouais mais bon. Ça a ses limites quoi. C'est sympa hein, c'est rigolo mais d'autres trucs. Mais faudrait vraiment que je fasse Untilted Goose Game, un de ces quatre. Ça me donne envie de tester un jeu comme ça. Mais du coup, t'as des énigmes un petit peu plus claires, on va dire. Je peux même pas monter là-dessus. Vraiment ? Mais je veux pas dire, mais on a un chat qui n'a pas de genoux. T'as des genoux, un chat ? Oui, inversé. Quoi ? Mais vraiment ? Un effort. Un effort. Thank you.
D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, bah c'est mignon, mais c'est vrai que c'est pas très... Pas très passionnant, je le dis plein de fois, mais je le redis, bon, ça manque un petit peu d'objectif quand même, ou d'une petite histoire, quoi. Ah, les objectifs, c'est surtout récolter des objets pour d'autres personnages, donc bon, c'est un petit peu limité. Ah, mais les gens, quand je les fais tomber, ils ramassent même pas leur téléphone. Je vais quand même essayer d'escalader là. Ah, mais j'arriverai pas. Je vais essayer un petit truc. Mais je sais pas du tout par où monter. Ah, peut-être par ici. Oui, non. Ici, je peux pas faire grand chose. Ok, j'atterris là, c'est cool. Et après... après je suis un peu plus haute que d'habitude. Le chef va rentrer chez lui. Ouais, c'est ça l'objectif, tout à fait. D'accord. Ah, je vais essayer de monter là. Ah oui, là je peux monter là. Voilà. Ça va nous faire aller dans un autre coin un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un chat, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc là. Mais je sais pas, les chats modernes, quoi, maintenant. C'est un peu difficile de se rendre compte parfois de comment ils vivent à l'heure d'aujourd'hui. Je vais te faire descendre maintenant, mon grand. Eh bien. Et du coup, une fois ici, qu'est-ce que je fous? Bah, pas grand-chose, hein. Je vais essayer de monter sur la tôle, peut-être que ça va la pousser. Je vais essayer, mais je suis pas sûre que ça marche. Ah, ça marche pas, je crois. Non. Allez. Mais j'ai eu des quêtes, mais c'est des quêtes où faut récolter des trucs. J'ai eu le corbeau qui m'a parlé, j'ai parlé au chat, j'ai fait une quête avec un autre chat et j'ai vu un raton laveur qui cherche aussi des objets. Mais en fait, bah basiquement, en fait, les quêtes, c'est trouver des objets. C'est pas fou. Enfin moi, ça me passionne pas. C'est pour ça que je ramasse ces trucs-là, c'est pas pour le kiff, hein, c'est parce qu'il me les faut. Il m'en faut 25. Mais bon. J'avoue que je m'attends un peu à autre chose, quoi, comme gameplay. J'ai pas 8 ans et demi, quoi. C'est... Dans les jeux où il y a des trucs à récolter, je fais jamais ces quêtes où il faut récolter des trucs. Là, que les quêtes, c'est que ça. Oh, c'est dommage. Mais c'est que t'es pas arrivé tout de suite, Kyun, t'as pas vu le début. Je peux m'agripper à ça, mais quand je le fais, ça fait rien. Je pense qu'il faut que je fasse un truc. Imagine qu'il faut que je débloque quelque chose. Ah, mais attends, j'ai chopé des oiseaux. Peut-être que lui, il veut me donner un truc maintenant que j'ai fait, non?
réussi. Pas plus que t'en aies, merci. Conserver ses plumes. Certains animaux les collectionnent, bah oui. Ah, et puis pour le moment, bah voilà, j'ai eu des émotes, quoi. Ça, j'imagine que c'est une technique qu'on apprend après quand on fait un truc, peut-être avec l'oiseau. Mais pour le moment, bah, il me manque des merdes à récolter. Lui voulait je sais plus quoi. Il était stylé en fait. Non mais t'inquiète, bah de toute façon comme tu sais, enfin moi je suis assez je pense être quand même assez ouverte au niveau des jeux, y a pas de soucis, c'est juste que bah... Là, c'est pas passionnant, mais ça veut pas dire que c'est nul. Et je pense que rien que le fait de s'amuser avec son petit chat et faire monter à gauche, à droite, et ben pour certains ça peut suffire. Moi ça me suffit pas, mais parce que j'ai pas l'instinct de la collectionneuse, à part dans Pokémon, et encore. Donc c'est vrai que juste ramasser plein d'objets, ça me passionne pas, c'est tout. Mais ça veut pas dire que le jeu est nul. Regardez la VOD de la fin d'appel d'urgence ce matin, ça m'a un peu énervé. Oui, on a dû remettre un peu des choses au clair. Tout à fait. Mais bon, des fois il faut aussi dire, voilà, faut aussi recadrer un petit peu. La brioche chez moi, oh bon appétit. Bon je pense que j'ai pas poussé le jeu plus loin, je trouve voilà. Bon j'ai dit plein de fois, je vais arrêter là, je vais arrêter la VOD ici. C'est bien je pense de savoir quand même dans quel type de jeu on va s'engager parce que bon il est sur le Game Pass donc au pire si on commence qu'on commence le jeu mais qu'on l'a testé sur le Game Pass, bon c'est pas très grave mais si on l'achète ou qu'on veut l'offrir à quelqu'un c'est bien de savoir que ce sera peut-être essentiellement ça le gameplay, en tout cas dans les premières heures. Et ça peut, voilà, ça peut un peu décevoir si on a payé le jeu. En tout cas, c'était la découverte de Little Kitty Big City. Pour le moment, j'ai trouvé qu'un chapeau. Mais c'est vrai que ça m'a pas donné envie de pousser plus loin. C'est peut-être un peu trop gamin comme gameplay. Enfin, gamin. Comme principe, plus. Bon, sinon, c'est tout mignon et apaisant et inoffensif. Donc voilà. À voir peut-être un peu plus tard, je regarderai peut-être ce qu'ils donnent plus loin, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste testé sans aller plus loin, donc je sais pas. Peut-être la même sensation qu'ils ont eu aussi. En tout cas, des bisous, la VOD